Dans ces matchs prolifiques, le CS Benfica et l'Olympic Club de Kolwezi, les deux équipes se quittent sur 3-2, score final. Les Bleus et Blancs sont les premiers à ouvrir la marque. Profitant de cette aubaine, Zaha Madungu récupère le ballon perdu par la défense adverse pour ouvrir le score. Les minutes qui suivent, le cercle sportif Benfica obtient un coup franc mieux placé du flanc gauche. Ndondi Mutunda les négocie de la plus belle manière. Le ballon serait mal renvoyé par le gardien. La reprise touche les poteaux avant que Lunguza marque de la tête le deuxième but. Le poulain des Asies ne sauront pas conserver cet avantage. La défense est fébrile du côté gauche. Yannick n'est pas dans les matchs. Oseka en profite pour réduire l'écart. 2-1, score à la pause. Au retour des vestiaires, Oseka entame un contre depuis le rond central, profitant de la transparence de la défense des Bleus et Blancs pour remettre le compteur à zéro. Le match s'emballe, l'Olympique Club de Kolwezi s'est montré revanchard avant de prendre l'avantage pour la première fois dans ses matchs. Toujours du côté gauche, sur un très bon coup franc, Ngoi Lumbala est trompé de la tête. Dans le temps additionnel, le cercle sportif Benfica y croit pour sauver le point du nul. Le gardien de l'Oseka est le partisan de cette parité parce qu'il va se trouver sur un centre venu de la droite. Kusonga en deux temps marque le troisième but. Sur les 7 matchs livrés, le cercle sportif Benfica compte 2 victoires, 2 défaites et 3 matchs nuls.